Cette année, effectivement, les pompiers d'Oloron vont parcourir de nombreux kilomètres à vélo, puisqu'on a l'intention de relier Paris à vélo dans le cadre de la semaine Téléthon du 4 au 9 décembre. Donc nous allons faire plusieurs étapes qui seront dans des centres de secours. Donc le premier centre sera aux alentours de Langon, ensuite Angoulême, Châtellerault, Orléans, Chelles, et pour finir, traverser Paris et arriver du côté du château de Versailles à Montigny-lès-Bretonneux. Le but du parcours, ça sera de récupérer des fonds pour l'AFM Téléthon ainsi que l'œuvre des pupilles. Sur le parcours qui fera à peu près 850 km, on aura l'occasion de voir la générosité des sapeurs-pompiers ainsi que des personnes qu'on rencontrera sur le parcours. Alors ben, tout d'abord, je trouve ça très très généreux de leur part qu'ils prennent du temps pour nos enfants malades. Je me sens moins seule dans cette situation. Il y a du soutien, je pense que je vais faire des rencontres avec d'autres familles, pouvoir échanger pas mal de choses. On se sent moins seul, soutenu, et je les encourage et les félicite fortement. La position et surtout le ressenti de l'AFM, c'est déjà une grande fierté que ce projet au niveau national parte d'ici du Béarn. Et ensuite, c'est aussi surtout un bel acte citoyen, un bel acte d'engagement de personnes qui sont sensibles et qui veulent contribuer à cette belle cause qui est donc combattre la maladie et apporter le soutien. Alors l'impact national d'une telle manifestation, c'est qu'on mêle deux choses qui sont très importantes au niveau de l'AFM Téléthon, qui est d'abord les pompiers, qui est un partenaire national depuis le début du Téléthon, premier Téléthon en 1987. Et on mêle aussi le fait que l'AFM Téléthon, c'est pas chaque département séparé, mais c'est tout un pays qui se mobilise. Ce raid, c'est vraiment la démonstration de l'engagement qu'on peut avoir pour une cause commune qui est celle de la lutte contre les maladies rares et d'aider les familles de malades.